J'y vais. Ouais. La qualité, elle est bonne. Hein. La qualité, elle est très bonne. Coucou, je suis à la Fnac. Je regarde ce qu'il y a. Voilà. La qualité de ce téléphone, elle est irréprochable. Ah ouais, bah ouais, bah il est à 10 balles celui-là. Il est descendu vite à 3 pour 30. Hein. Moi, je le savais pas. Bon, je l'ai eu à 5. C'est pareil, j'ai 5 euros de moins. Voilà. Mais j'ai regardé beaucoup de gens ont chié sur ce film. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais avec elle, c'est elle qui doit aller chercher. Darkman. Total Recall. Total Recall. Ah, c'est du Blu-ray, c'est pas en 4K. Ça serait un 4K, peut-être je l'aurais pris. Voilà. Mystery Men. Mon steelbook. Oh, ça va, il y a du chaud quand même. Hein. Écrasé. Ouais, c'est ça. Tout le monde peut le faire, ça. Je savais pas que c'était ça. Tu veux une chaîne antibactérienne? Non, non, t'es fou, toi. Après, je vais en avoir plein sur les l'odeur et tout. C'est ton premier jour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à me raconter comme histoire? Tu me laisses pas lire mon journal. Mon journal, tu me laisses pas lire. Donc tu vas me dire. Tu vas me. Enfin, je suis pas aussi sérieux que lui, mais bon. Tu vas me distraire avec tes conneries. Still I can't believe.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai passé une belle journée à Lille. Voilà, les manifestants, ils sont là pour les lycéens, les universitaires, etc. Ils sont là pour faire valoir leurs droits. Et je trouve inadmissible qu'on veut leur chier dessus. Ils n'arrivent pas à bouffer. Ils doivent limite aller tapiner pour aller bouffer. Hein? Façon de parler, mais pour dire que c'est pas toujours facile. Et moi, je soutiens leur cause. Voilà. Bon, c'est vrai que c'était un peu un spectacle. Un spectacle, une... On dirait que j'étais devant une pièce de théâtre. Mais bon, ils ont le droit de faire valoir leurs droits. Et si le président Macron n'était pas là pour chier sur le peuple, il n'aurait pas eu de casse, il n'aurait pas eu de vol et il n'aurait pas eu de manifestation. Voilà. Les gens, ils en ont marre de se laisser faire, de se faire arnaquer, hein, de se faire... Bref, je ne rentre pas dans les détails. Vous connaissez la situation actuelle. Et voilà. Je vais venir en venir au fait en ce qui me concerne. Hein. C'est vraiment... Ben, le cinéma est vraiment mon exutoire, mon anti-stress. Depuis que j'ai cette télé, je vis des moments très paisibles. J'oublie tout. J'oublie vraiment tout. Voilà. Merci aux gens qui viennent me dire bonjour. Hein. Il y a quelqu'un qui est venu, il m'a fait salam. C'est normal, moi je ne le connais pas, lui il me connaît. Je le remercie, je l'ai vu au téléport tout à l'heure, donc s'il me reconnaît, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, mais il m'a dit salam, bonjour. Et voilà, c'est ça les vrais arabes, c'est ça que moi en fait j'ai envie de changer la mentalité des arabes, j'ai envie que les arabes soient des gens solidaires entre eux, je ne demande rien d'autre, voilà. Alors, quand j'aime bien qu'on me reconnaît dans la rue, bon je dis pourquoi ils me regardent, comment que ça se fait, et après il m'a fait un signe, il m'a dit salam. Je lui ai dit, ah, Salam, ça va quoi? Et je le connais pas, mais je sais que ça vient de YouTube. Les gens me reconnaissent grâce à YouTube. Voilà. Je vais en venir au fait. Je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Afin que l'encodage, c'est pas le montage, hein, c'est l'encodage qui met le plus de temps. Voilà. Je vais commencer voilà, par des films. Pas pour le film pour lequel. Je suis parti à l'origine. À l'origine, j'étais parti pour acheter que ce film. Hein, j'ai vu que tout le monde l'avait acheté. Hein, Mister Paradise. Je ne sais pas si Tueur de Rôdeur l'a acheté. Mais je me devais de l'acheter. Je ne sais pas. Peut-être que je voulais crâner devant eux pour dire que moi aussi, je peux l'acheter. Voilà, peut-être que je voulais crâner. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être, hein, ça se peut. Voilà. J'aime bien crâner. En disant, moi aussi, je peux acheter ci, et moi aussi, je peux acheter ça. Je vous jure qu'à l'origine, je n'étais pas prêt de l'acheter. Voilà. Maintenant, je vais en venir au fait. Voilà. Les films que j'ai achetés. J'ai même une meuf en survette, genre garçon, qui m'a regardé. J'ai plus de 10 ans de différence avec elle. Mais elle m'a regardé. Et moi, j'ai pas réagi parce qu'elle était un peu trop jeune pour moi. Voilà, une meuf qui a 20 ans, pour moi, ça y est, c'est mort maintenant. 20 ans, voire 18, hein, c'est mort pour moi. C'est vraiment mort. Moi, ça y est, j'ai 34 ans, c'est foutu. Maintenant, je vais en venir au fait. Voilà. On va commencer par un film que j'ai adoré qui s'appelle Baby Driver. Il faut savoir que j'enregistre en 1080p. Là, donc les fichiers vont être très volumineux rapidement. Donc
Je vais pas faire une vidéo trop longue pour pas que j'ai peur qu'il n'y a plus de stockage dans mon téléphone. Faudrait que peut-être je mette une carte. Je sais pas si je peux mettre une carte. Voilà. Je vais commencer par Baby Driver. Voilà. J'ai eu les 5 films là qui sont là pour 12 euros. Voilà. C'est vraiment pas cher. Cash Web de Roubaix. Je vous conseille vivement de partir là-bas. Baby Driver, qui a été une claque pour moi. Ce film est une claque. Oh, on est un peu griffé, mais bon, j'espère qu'il va passer, parce que les films griffés, moi j'ai un truc en microfibre. Moi j'aime pas qu'on me griffe mes films. J'espère qu'il va passer, parce que les Blu-ray, c'est des trucs très très... C'est vraiment... C'est délicat, moi je comprends pas comment on peut griffer des Blu-ray, quoi. Baby Driver. Alors j'espère qu'il va passer puisque j'ai une griffe. Bon, vous l'avez pas la voir, mais bon, moi je la vois. Elle n'est pas profonde, profonde, mais un disque Blu-ray, ça ne se raye pas. Ça ne se raye pas. Je vais essayer de foutre avec le mouchoir en microfibre, mais c'est une griffe, c'est pas de la salissure, c'est une griffe. Moi ça me fait chier, moi, de faire ça, c'est un blasphème de griffer des Blu-ray. Parce que j'avais, comment il s'appelle, ah ouais, quand même, la griffe, elle est quand même merde, putain, faites chier à griffer, j'espère qu'il va passer, putain, j'espère qu'il va passer, merde. Parce que j'avais Maggie, il y avait à peu près la même griffe, et il sautait le film. Les Blu-ray, c'est des choses très défectueuses. Comment vous faites pour griffer des Blu-ray? J'espère qu'il va passer, quoi. Je les ai eu les 5 pour 12. Donc voilà, je vais pas trop faire le fanfaron. Mais bon, des Blu-ray, ça se griffe pas, quoi. Merde, c'est pas des DVD, c'est des Blu-ray. Des DVD, c'est encore plus. Voilà, Baby Driver, bon, il va passer, il faudrait que je le regarde. Putain de film, hein. Putain de film. Mais ce qui paraît, il y a une surface de protection sur les Blu-ray. Donc normalement, ça devrait y aller. Dites-moi si c'est le cas ou pas. Normalement, oui. C'est pas une griffe profonde, hein. C'est juste une petite éraflure. Mais bon, ça me fait chier quand même. Ça me fait vraiment chier. Voilà. Baby Driver, c'est fun, c'est impeccable, ça fracasse. Legendary avec Patricia Clarkson, Danny Glover et John Cena. Film dramatique. Ah, celui-là, il est impeccable. Voilà. Film dramatique. Ça a l'air d'être un import. Ah ouais, c'est un import. Moi, j'espère qu'il y a la VF. 2h33, bordel de merde. Ouais, normalement, il y a la VF. Bref, c'est pas grave. 2h33, ça m'étonne. 2h33. Hein? Durée du programme, 2h33 environ. Avec John Cena et Danny Glover. Bah, on a le français. Hein. On a le français. C'est tout ce qui compte. C'est édité par... Legendary film, ça doit être un biopic ou je sais pas, sur un mec. Hein. John Cena, j'adore ce mec. J'adore ce mec. Depuis, bon, The Marine, c'est pas terrible, mais depuis qu'il nous a fait Suicide Squad, etc. Moi, je pense qu'il devrait faire plus de films d'action à la Schwarzenegger, parce qu'il y a un physique à la Schwarzenegger, John Cena. Voilà. Il y a un physique à la Schwarzenegger. Ah, j'enregistre. Hein. On sait jamais, bordel. On sait jamais, je vais essayer d'y aller vite. Voilà. Tonnerre sous les tropiques. Alors là, celui-là, j'ai adoré. Je crois que j'ai le DVD. Bon, ça va, il n'est pas griffé, c'est des traces de doigts. Il n'est pas griffé, non, il n'est pas griffé. Voilà. Voilà, comme ça, j'aime bien. C'est une comédie vraiment déjantée, Ben Stiller. Je crois que j'ai le DVD, je suis pas sûr. On a même Tom Cruise qui fait une apparition un peu à la parodie de Meurt né un 4 juillet que je cherche en Blu-ray. Je l'ai en HD DVD, mais bon, mon lecteur HD DVD, je vais le revendre. Voilà, Tonnerre sous les tropiques. Jack Black, Ben Stiller et Robert Downey Jr. Voilà. Tonnerre sous les tropiques. Et je vais bientôt acheter un lecteur HD. Je vais acheter un lecteur Blu-ray bientôt, voilà. Et il m'en faut un d'urgence, il faut que je l'achète. Il faut que j'en achète un, parce que
J'ai voilà le film que j'ai acheté aujourd'hui, j'aimerais bien le tester. J'ai aussi la mule en 4K, voilà, depuis des années. Et je sais plus quoi d'autre, je dois en avoir encore un autre. Et voilà, j'ai envie de tester la qualité 4K pure. Voilà, et voilà, merci à Dark Magicarp, mais je crois que je vais acheter un. Je vais aller acheter un lecteur, ils m'en font un, et voilà. Ils m'en font un d'urgence, il faut que je vais aller en acheter un. Pour bientôt, voilà, pour bientôt. Tonnerre sous les tropiques, je tiens à vous signaler que le Blu-ray est vraiment d'une très belle qualité sur une télé 4K. Donc voilà, mais même mon lecteur, il commence à faire du bruit. Donc il faudrait que je le change. Voilà. Voilà. Tonnerre sous les tropiques avec Jack Black, Ben Stiller et Robert Downey Jr. Voilà, bon, moi j'adore les comédies comme ça, sympathiques. Le 16 blocs de Richard Donner, édition Warner, du Canada, bien évidemment. Ça vient du Canada, bien évidemment. C'est une version québécoise, hein. C'est une version québécoise, bien évidemment. Hein? Je suis en train de chercher 16 blocs. Le Blu-ray métropolitain. Le Blu-ray métropolitain. Moi, je ne le trouve pas. Où est 16 blocs? 16 blocs, où es-tu? 16 blocs. 16 blocs, je te cherche. Bon, j'ai le Blu-ray métropolitain, c'est sûr et certain. Bref, c'est pas grave, je vais pas m'attarder, ça va vite. Il faut que je vais vite. Voilà. J'enregistre en 1080p, c'est trop volumineux. 16 blocs, j'adore la jaquette. Voilà. Bon, c'est pas Patrick Poivet, bien évidemment, je le sais. Je le sais. Mais ce que j'aime, c'est que c'est édité par Warner Bros. Alors que le Blu-ray métropolitain est édité par. Metropolitan, voilà. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je suis tombé amoureux de la jaquette. Voilà la jaquette. Merci Cashweb Roubaix. Je l'ai pris, je l'ai pris. Non, c'est pas Patrick Poivet, mais je m'en branle. Voilà, parce que je l'ai, la version avec Patrick Poivet. Je l'ai. 16 blocs. Bruce Willis. Blu-ray Warner. Hein. Voilà, c'est pas. Je vais le mettre côte à côte avec le Blu-ray Metropolitan. Voilà. Doublé au Québec. De Bed in Québec. Voilà. De Bed in Québec. Voilà. J'en ai rien à branler, c'est pas grave, je l'ai acheté. Ça me fait rigoler le langage québécois aussi en même temps. Hein. Ça me fait vraiment très très rigoler. Donc ça me dérange pas. J'ai le Blu-ray Metropolitan en plus de celui-là. J'adore la jaquette. J'adore cette jaquette. Et voilà, là c'est Warner Bros, c'est pas Metropolitan. Voilà, c'est la seule différence. Et la jaquette, elle fracasse. Voilà. Et ça va me faire rire d'écouter Bruce Willis en québécois. Je crois que c'était Alain Voulzy ou Alain Voulzy, je croyais mort. Hein. Alain, non, c'est pas Alain Voulzy, ce que je raconte. Alain, je sais plus quoi, au Québec. Alain Voulzy, si je me trompe pas. Alain Voulzy, qui double Bruce Willis. Ou je crois que c'est Jean-Luc. Montini ou Montini, je crois que c'est Jean-Luc Montini, parce que le doubleur québécois de Bruce Willis, il double aussi Denzel Washington. Voilà. Donc, on verra, c'est à découvrir, quoi. Voilà. J'aime le doublage québécois en plus du doublage français. J'aime avoir les deux versions. Voilà. The Hunting Party, j'ai le Blu-ray TF1 vidéo. Le DVD TF1 vidéo, pardon. Le Blu-ray TF1, il est très rare à trouver. Je ne sais pas s'il est défectueux. Malheureusement, Dutch Filmworks nous a sorti le Blu-ray québécois. Mais ce n'est pas grave. J'adore ce film. Dutch Filmworks, malheureusement, ils nous ont sorti le film en québécois. Voilà. Malheureusement. Malheureusement. Moi, la plupart de mes Blu-ray, ils sont tous. Nickel, nickel au niveau des états, c'est très rare. Voilà, les Blu-ray, ça se griffe pas. Voilà, The Hunting Party, Terrence Howard, Richard Gere. Voilà. Donc, je regarde si jamais.
fais combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes, 15 minutes avec Robert De Niro. Il n'y a aucun DVD, il n'y a que du Blu-ray. Là, c'est du Belmondo que j'ai acheté. Voilà, c'est du Belmondo que j'ai acheté au Furet du Nord à 7 euros pièce, 7,99, sauf un. Malheureusement, sauf un. J'allais prendre Cartouche, je ne l'ai pas pris, le solitaire, je le voulais. Voilà, sauf, bon, je vais commencer par le premier qui est à 10 balles. Voilà, malheureusement, bras de vidéo. Moi, j'aurais aimé l'avoir à 7,99. Mais bon, c'est pas grave. C'est le seul film que j'aime avec Alain Delon et Belmondo. Voilà, ben, j'ai le DVD copie, j'ai la copie DVD, mais bon, copie HD, bien évidemment, qui est enregistrée sur un DVD. J'adore ce film, je sais pas, l'ambiance des années 90, Vanessa Paradis, Alain Delon et Belmondo, une chance sur deux. Alors là, j'adore ce film. J'adore ce film. J'adore. Curieusement, j'aime Alain Delon dans ce film. Parce que les deux acteurs, ils sont à peu près comme les compères dans. Les compères avec Pierre Richard et Depardieu, voilà. Ils ne savent pas qui est le père. Qui est le père de Vanessa Paradis, c'est l'un ou l'autre. Et après, il y a de l'action, il y a tout. Je sais pas comment vous expliquer ce film. Non, ça fracasse. Il y a de l'action, il y a un peu de sentiment, il y a plein de choses. J'adore ce film. Voilà, bon, je l'ai acheté à 10 balles, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aurais pas. Il y a un moment, il était à 15 ou 16 euros. Il y a un moment, bon, 10 balles, je l'ai pris. 7,99, j'aurais aimé l'avoir, mais bon, c'est pas grave. Belmondo, une chance sur deux. Flic ou voyou pour 7,99, l'un des meilleurs rôles de Belmondo pour moi, à mes yeux. Voilà, il me le fallait en Blu-ray. Je l'avais vu en sortant de l'hôpital, celui-là. Hein. Je l'ai en sortant de l'hôpital. Hein. J'avais passé une semaine chez de la famille en sortant de l'hôpital. Voilà, et il était passé à la télé très tard le soir sur une chaîne télé. Et je l'ai regardé. C'était la première fois que je le voyais. La scène où Belmondo. Il rentre avec des lunettes et une ancienne voiture. Là. Il rentre dans la maison d'un mec. Pouf! Il lui nique sa maison. Et il est habillé comme un aviateur avec des lunettes, avec une voiture drôle de forme. Scène mythique, voilà. Très très bon film. Les gens se souviendront de cette scène. Flic ou voyou, voilà. L'un ou l'autre, voilà. Incroyable ce film. Voilà, malheureusement, le solitaire n'est pas sorti à l'unité. Et ça, c'est vraiment un désagrément pour moi. Flic ou voyou, Jean-Paul Belmondo. Je l'ai en DVD. J'ai quasiment tous les films. Et j'allais acheter Cartouche, mais je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Il faut que je regarde le DVD avant si je vais aimer. Mais on n'est jamais déçu avec Belmondo. Voilà. Encore un film à 7,99. Malheureusement, la jaquette, c'est ce que j'aime pas, c'est la typographie. Ils n'ont pas mis la typographie d'origine. Voilà, on dirait que ça a été fait sur Paint ou sur, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Moi, j'aurais aimé la typographie d'origine sur ce film. Malheureusement, c'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vais pas faire le fanfaron parce que je l'ai acheté à 7,99. L'un des aussi les plus beaux films de Belmondo. Le DVD déjà remasterisé de Studio Canal était phénoménal. Et là, ben pour 7,99, le Blu-ray. Voilà, l'As des As. L'As des As avec Belmondo. J'adore Belmondo. C'est un bon acteur. C'est incroyable. Je ne sais pas comment le qualifier, ce Jean-Paul Belmondo. L'As des As. Ça se passe pendant les Jeux Olympiques en 1933, si je ne me trompe pas. L'As des As avec Jean-Paul Belmondo et Marie-France Pissier qui est décédée. Hein. Et il y a aussi le petit gamin, il est devenu chauve maintenant, comment il s'appelle? Il a fait beaucoup d'interviews avec Belmondo.
Comment il s'appelle ce petit gamin là, qui est là? Bah, bref, c'est un nom arabe, Rachid, je sais plus quoi. Rachid Mouloud, ou je sais pas, un truc comme ça. Voilà. Je sais pas, peut-être Rachid Abdelkader, ou je sais pas comment il s'appelle. Vladimir Kosma. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est Belmondo. L'As des As. Très beau film d'aventure. Quand je vois du Belmondo, je n'hésite pas. Moi, ça vient du cash converteur. Ouais, ça vient du cash converteur. Enfin, l'île Cash Gambetta, l'île Cash Land, si je me trompe pas. Cash Land, ouais. Solis, film de science-fiction pour 2,90. Voilà. Solis, un film de science-fiction. Je ne sais pas c'est de quelle origine. Je crois que c'est. C'est pas américain, ça. C'est pas américain. C'est pas américain, ça. Peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être américain, mais les acteurs ne sont vraiment pas connus. Solis. Voilà. Le cache de Gambetta. Il sait avoir des Blu-ray en bon état, sans griffe. Voilà. Solis. Film de science-fiction. Je vais devoir me le taper, Baby Driver, pour voir s'il déconne pas, quoi. Voilà. Et en plus, j'adore ce film. J'adore, c'est fun et décalé. Solis. Film de science-fiction. Wildside Video. 2018. J'espère qu'il n'est pas défectueux. Gravity rencontre Sunshine. Des effets visuels impressionnants. Une odyssée spatiale spectaculaire. Moi, j'adore ça. Pour un film de. Pour un. Ah, avec Stephen Hogg. Ah, ben, je me suis trompé, c'est américain. Ah, ouais, Walking Dead. D'accord. 1h38. Bah, 1h38 pour un film de science-fiction, ce n'est pas beaucoup. Voilà, d'habitude, c'est 2 heures minimum. Est-ce que j'enregistre encore? J'ai peur que ça coupe. Oui, ça enregistre encore. Eh ben, comme le DVD était catastrophique, le DVD original, voilà, j'ai fait une copie pour quelqu'un en DVD, mais j'aurais dû lui donner le DVD original carrément. Parce que le résultat est dégueulasse. Voilà, il est dégueulasse le résultat. Eh ben, voilà. Le résultat est dégueulasse. En qualité DVD, donc je l'ai racheté. Ça a l'air d'être un film vraiment impressionnant. Je suis tombé dessus en Blu-ray. Je suis vraiment très, 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 très content. Voilà, film sorti en 2011. Je suis étonné que le DVD est dégueulasse. Le Rite avec Anthony Hopkins en DVD. Voilà, pour acheter un gratuit, bien évidemment. Bon, je l'ai acheté 5 euros, mais c'est pas grave, ça les vaut largement. J'avais aucune attirance envers ce film. Et quand j'ai vu qu'il y avait Roger Auer dedans et Alice Bagra, et j'ai regardé la bande-annonce, j'ai dit, ça doit être un putain de film. On m'a demandé sans cesse de fais-moi une copie, fais-moi une copie. J'avais le DVD. Et voilà, en testant le DVD, je me suis dit, il est pourri. Et aujourd'hui, je suis tombé dessus, inspiré de fait réel. Et ben, je l'ai pris, hein. Tony Hopkins, j'adore. Moi, c'est le film que je cherche avec lui. Je sais pas si ça existe en Blu-ray, ça s'appelle La Faille. Voilà, La Faille, même, il dit, prouvez que j'ai tué ma femme. Voilà, le rite, Anthony Hopkins. À vif, Jodie Foster, que j'avais en DVD, hein. Que j'avais en DVD, film sorti en 2007, film que j'ai vu, je l'ai vu sortir en salle ce film. Hein. Alors là aussi, moi j'espère que c'est pas des griffes. Hein. Vous faites chier, bordel de merde, à griffer des Blu-ray, bordel. Vous faites chier. Vous faites vraiment chier. Ben, c'est pas des griffes, c'est de la salissure. Mais vous faites chier, bordel. Des Blu-ray, ça doit pas se griffer. Voilà, à vif, Jodie Foster. Oui, on ne les achète pas cher, mais ce n'est pas une raison pour les avoir en sale état, quoi. Voilà. Voilà. Ben, c'est normal, il n'y a rien tel que le neuf, mais bon, le neuf, des fois, on ne peut pas se le permettre, des fois. Moi, l'occasion, je l'achète quand c'est en bon état, quoi. À vif, Jodie Foster.
Ah, aussi Terrence Howard hein, qui joue dedans. Film sorti en 2007. Hein, le film a déjà 16 ans. Moi, je me rappelle, je baladais dans la rue, je voyais l'affiche de ce film-là. Il y a déjà 16 ans, bordel de merde. Qu'est-ce que le temps passe vite. Celui-là, je ne sais pas si je l'ai en Blu-ray. Rien d'initiative. À mon avis, je dois l'avoir en DVD. Je sais pas si je l'ai en Blu-ray. Si je l'ai en double, ben je l'enverrai à Dark Magicarp. Voilà, je sais pas si là, parce que je voulais faire la connexion avec À la poursuite d'Octobre Rouge, Danger immédiat, La somme de toutes les peurs, Jeu de guerre, voilà, tous ces films-là font partie des romans de Tom Clancy. Voyons voir l'état du disque. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai acquis le film sans aucun remords. Oh, il est impeccable, c'est de la salissure, c'est tout. Pour 2,99, Ryan Initiative. Et les deux derniers, bon allez, Acopalypse 2024 avec Don Johnson, seul pour seulement 10 euros avec le Blu-ray et DVD à l'intérieur, édité par Artus, malheureusement, il coûtait 25 euros. Malheureusement, les boîtiers comme ça s'abîment vite. Et en plus, c'est même pas en format de Blu-ray, c'est un format DVD, on dirait. Bref, c'est pas grave. C'est un film genre le livre d'Eli, Mad Max, avec Don Johnson dans les années 70. Voilà, bon, moi, j'adore Don Johnson. On verra ce que ça donne. Hein. On verra. Bon, c'est plus une série B, remasterisée en 4K. Ça se passe en 2017. Et ce qui paraît, hein, je sais pas, ben, pourquoi on appelle 2024 alors, si c'est en 2017. Voilà. Moi, le pire, c'est que les films comme ça sont vraiment d'actualité. Voilà. Don Johnson, Apocalypse 2024. Voilà. Vingt-sept minutes. Et on va passer pour le meilleur, pour la fin. Voilà. Je vais réserver plutôt un peu plus de parlotte pour ce film parce que ben, c'est ce film qui est concerné à l'origine, mais je voulais le garder le meilleur pour la fin. Oh, c'est quoi qui fait comme ça là? C'est peut-être le Silbo qui est. J'espère que c'est pas le disque qui flotte quoi. Ah, c'est les cartes, il y a des cartes à l'intérieur, il y a un poster, etc. Somptueuse édition. Training Day. Bon, ce que j'ai à dire, voilà, le visuel ne m'intéresse pas trop. Voilà, on est loin de ça. On est vraiment loin de ça. Moi, j'adore le visuel d'origine. Voilà, j'ai même le DVD là-bas. Hein. J'ai le DVD là-bas. Excusez-moi, j'ai mis un peu de temps. Voilà, j'ai mis un peu de temps, excusez-moi, hein. Le temps de le chercher. Voilà, ça c'est la jaquette d'origine. Ça c'est la jaquette d'origine. Bon, collection action, mais c'est pas grave. Mais là, c'est pas le visuel d'origine. Il est beau le visuel, attention, il n'est pas dégueulasse. Hein. Mais bon, on est loin de ça. Moi j'ai connu ça en 2002, et encore c'est l'édition belge. Voilà, c'est l'édition belge. Et la jaquette française, on voit Training Day en rouge sur le DVD français. C'est la meilleure des jaquettes. Voilà, on a une banderole là, Oscar 2001. J'ai pas l'édition française, je me trompe. Je sais pas si je l'ai ou pas, mais le Training Day est en rouge. Voilà, et là, c'est la jaquette belge. C'est l'édition belge. Là, c'est l'édition collection Action. Voilà. Même aux USA, c'est cette jaquette-là en blanc. Voilà. Mais voilà, bon. La typographie, elle n'est pas respectée aussi, voilà. C'est pas la même typographie. Moi, je vais pas le déballer. Pourquoi? Parce que c'est une édition limitée. Et peut-être que je suis peut-être un spéculateur. Je sais pas.
J'ai pas envie de le déballer pour l'instant, voilà. J'ai Alonso Harris, interprété par Denzel Washington, l'un de ses meilleurs rôles, un mec vicieux, c'est un putain de vicieux qui fait tomber Ethan Hawke dans la merde. Et voilà, incroyable prestation. C'est peut-être l'un de ses meilleurs films. Je ne le déballerai pas. Voilà. Dites-moi quoi pour les gens qui l'ont acheté. Est-ce que le Blu-ray a été remasterisé ou pas? Ou si c'est cette version-là? Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sticker n'est pas comme cette version. Donc, je me suis dit, ils ont peut-être que le Blu-ray est issu du 4K. Voilà, c'est peut-être une remasterisation 4K. Et ce qui est bien, c'est vrai, j'ai oublié de dire, c'est qu'on a le doublage québécois, on a le doublage français. Voilà, on a les deux doublages, alors que là, je ne pense pas qu'on a le doublage québécois sur cette édition-là. Hein. C'est l'ancienne édition hein, qui date vraiment de 2011 pour cette édition. Voilà. Bon, c'est pas grave. Et ce film-là mérite, bon, je vais peut-être même le mettre derrière avec les Vandamme. C'est une somptueuse édition. Je l'ai acheté le mois dernier. Je dis, je l'achète ou pas. Et j'ai fini par l'acheter. C'est mon cousin qui est en train de naviguer sur Internet. Il me dit, regarde, il y a un Training Day en édition 4K avec Blu-ray. Hein, je me suis dit, ah ben, est-ce qu'il y a une plus-value ou pas? Je n'en sais rien en termes de. Je tiens à signaler que le DVD de Training Day était vraiment de très bonne qualité déjà. Très très bonne qualité. C'était incroyable. Et dès qu'on est passé au Blu-ray, je n'ai pas vu de grande différence entre le DVD et le Blu-ray parce que le DVD de Training Day était vraiment somptueux pour l'époque. Il l'est encore, en plus, il l'est encore. Voilà, la couleur, la définition de l'image en DVD, faudrait que je le teste. Elle était bonne, je me rappelle. Je me rappelle, j'ai dit, putain, la qualité, elle fracasse. Voilà. Est-ce qu'il y a une plus-value entre le 4K et le Blu-ray? Point d'interrogation. Est-ce qu'on voit beaucoup la différence? Point d'interrogation. Une fois que j'aurai acheté un lecteur, je vous dirai quoi. Voilà. Bien évidemment. Je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. On a même le poster. On a les cartes. Voilà. Bon, je ne vais pas le déballer. Allez voir la vidéo de Mister Paradise si vous voulez voir le déroulé voilà, du film. Tout ce qu'il y a dedans, les contenus, etc. Allez voir sa vidéo. Voilà. Est-ce que le Blu-ray est issu de la version 4K? Point d'interrogation. Voilà. Je me suis dit, je l'achète. Voilà. Ça, ce qui flotte là, c'est pas le CD, c'est les cartes. Là, c'est les cartes. Ça peut être que les cartes, c'est pas le disque qui flotte comme ça. Non, c'est pas le disque. C'est les cartes qui sont à l'intérieur. Voilà. Voilà. Impeccable. Voilà, Training Day d'Antoine Fuqua. Hein? Ça fracasse. Je l'ai acheté. Bon, le visuel est vraiment très très beau. Il est vraiment très 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 beau. Mais il est loin du visuel d'origine. Après, voilà, pour une version 4K, ils se sont dit, ah, le steelbook qui est à l'intérieur, j'ai vu la vidéo de Paradise, eh ben, il ne m'enchante pas le visuel du steelbook. Il ne m'enchante pas. Ils auraient pu laisser ça, quoi. Voilà. Après, c'est tout, c'est pas grave. Heureusement que j'ai cette édition. J'ai cette édition en plus. Bon, c'est pas grave. Si je veux regarder le film, je regarde cette édition. Est-ce qu'il y a une plus-value ou pas? En termes de qualité d'image, point d'interrogation. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi et salut à tous. Et c'est une très belle pièce. En plus, on a le nouveau logo Warner. Dites-moi quoi, si au début du film, c'est le nouveau logo Warner ou l'ancien. Voilà, dites-moi quoi. Genre, j'ai envie d'en savoir un peu plus en termes de qualité d'image pour les gens qui l'ont acheté, etc. Voilà, Paradise, je n'ai rien contre toi. J'ai aucune dent contre toi. Hein, voilà. C'est pas grave, c'est du passé. Si tu vois cette vidéo, voilà, dis-moi quoi. Bon, si tu veux pas me le dire, c'est pas grave. Mais dis-moi si en termes de qualité d'image, ce film en vaut la chandelle en 4K. Mais il le fallait que je l'achète pour recopier sur vous. Voilà. Ben, j'ai déjà ça et j'ai le DVD sur. Mais je sais pas, je voulais crâner. Voilà. Enfin bref, n'empêche que c'est une très belle.
Mais je l'ai acheté aussi pour spéculer dessus. Voilà. Salut à tous et merci de m'avoir suivi. Édition limitée. C'est dommage que ce n'est pas numéroté. Voilà. Ce n'est pas numéroté. Voilà, sorti en 2001. Voilà. Denzel, Antoine Fuqua. C'est une longue histoire. Au même titre que Spike Lee et Denzel, quoi. Salut à tous et merci de m'avoir suivi. Et merci aux gens qui me disent bonjour dans la rue. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, aux Arabes bienveillants qui me disent bonjour dans la rue. Ils savent ce que je veux dire à travers mes paroles, etc. Hein? Voilà. Moi, je suis pas Zemmour et je suis pas Le Pen. Moi. Voilà. Mais quand on m'a enculé à la boucherie, ben, ça m'a déçu. Voilà. Salut à tous et merci de m'avoir suivi. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. On se retrouve pour cette deuxième partie. Voilà. Je disais que je ne supportais pas la rue, etc. Je pars dans un KFC, on m'a fait un truc inacceptable. Une Arabia, une arabe comme moi, hein, elle était avec sa mère derrière moi et j'ai pas apprécié ce qu'elle a fait, j'ai pas envie de le dire, c'est. Je l'ai entendu et après moi j'arrêtais pas de la regarder parce que ça m'a pas plu ce qu'elle m'a fait et c'est pour ça que je ne sors plus dehors, je ne ça m'intéresse, les lieux publics m'intéressent plus. Je vais manger, j'emmerde personne. Voilà, et bon, je rentre pas dans les détails. Bref, c'est une gamine, c'est vraiment une gamine. Elle l'a dit vraiment doucement, mais j'ai entendu quand même ce qu'elle a dit, quoi. C'était pas une insulte, mais c'était quelque chose de vraiment. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Le monde extérieur ne m'intéresse plus. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Hein. La dernière fois, ben, on m'a fait à peu près la même chose qu'on a fait à Cuic avec mon cousin, quoi, ce jour-là. Voilà, à peu près. On va dire à peu près. Ben, je lui dirai en privé, quoi. Voilà, je vais bientôt acheter un lecteur 4K, il faut le savoir. Donc, Dark Magikarp, c'est pas la peine de te donner la peine. Voilà. Je l'ai commandé, je vais bientôt le recevoir, comme je l'ai dit il y a quelques jours. Voilà. Et c'était aussi pour vous dire Snapchat. Moi, je ne suis pas de la génération Snapchat, ça ne m'intéresse pas. Et voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire, à polémiquer sur Snapchat. Tous les jeunes d'aujourd'hui veulent faire Snapchat. Voilà. Moi, je suis vieux. Moi, j'ai 38 ans. Eux, j'ai 38 ans. J'ai 34 ans. Voilà. C'est pas pareil. Moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus jeune que les gens vont faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que les vidéos, que ce soit YouTube ou que ce soit TikTok ou etc., moi, je pense qu'on devrait obtenir la majorité pour ça. Voilà. Il faut être majeur pour ça. Moi, c'est mon avis à moi. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a des gamins, ils font des conneries, etc. Et voilà. Bref, je rentre pas. Moi-même, je suis dans les réseaux sociaux, donc voilà. Et voilà, bah, bref, je vais pas m'attarder dessus. Mais moi, la différence, c'est que je suis majeur et que j'ai plus de 20 ans, j'ai 34 ans. Voilà. Et ben voilà, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un défouloir, on se défoule. Voilà, c'est un défouloir. Voilà, c'est un défouloir, les réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait quelques achats, voilà, quelques achats. Je vais commencer par les achats d'il y a quelques jours. Et je tiens à. Et j'en ai encore là-bas. Je tiens à dire la gentillesse qu'il y a dans le cash converteur de Ronk. Les meufs, comment ils sont comme ça avec moi là-bas, ils sont vraiment très très gentils avec moi, très très sociables. Voilà, mais bref, il y en a un là-bas, je sais pas, avant il me disait bonjour, maintenant il me dit plus bonjour.
Bref, les meufs, il n'y a rien à dire sur eux. Il n'y a rien à dire sur eux, les meufs. Il n'y a rien à dire sur eux. Mais par contre, leur patron, c'est un con. Voilà, il me voit, il rentre, il sort. Il rentre de l'arrière-boutique, il ressort, il re-rentre, il ressort. Et je suis pas un voleur, moi. Moi, ton magasin, je l'achète complètement. Voilà. Excuse-moi sans vouloir me vanter, t'as bien vu comment je suis fringué quand même. Hein? Sans vouloir me la péter, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Je vais pas aller voler des DVD à 1 euro quand même. Je suis pas fou à ce point-là quand même. Regarde le vélo qui est là-bas. Regarde, si tu me vois ma vidéo. Le vélo là, qui est là-bas, je l'ai acheté chez toi. Le vélo qui est là-bas, je l'ai acheté chez toi. Je l'ai acheté chez toi 100 balles. Voilà, je l'ai acheté chez toi 100 balles. Le lecteur qui est là-bas, Blu-ray, je l'ai acheté 40 balles chez toi. Tous les films que j'ai achetés chez toi, je les compte plus. Mais à partir de maintenant, je n'achète plus, je n'achèterai. Je me suis fixé une limite. À part si c'est des films vraiment rares. Mais je n'achèterai plus de DVD dans les caches où j'arrête les DVD. C'est fini. Je vais faire un tri et je vais garder que les films qui me plaisent. Parce que maintenant que j'ai une télé 4K, et ben voilà quoi. Maintenant que j'ai une télé 4K. Maintenant que j'ai une télé 4K, ben voilà, je préfère m'abstenir, voilà, d'acheter des DVD. Voilà. Je vais commencer. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose, mais ça va compléter la vidéo. Et elle sera faite dès demain. Dès demain, elle sera publiée. Nous sommes le 18 mars, voilà, 2023. Il faut que je me trouve une meuf, je peux plus rester comme ça. Voilà. La masturbation, ça vient, ça va un moment après, ça y est, quoi. Ça m'intéresse plus. C'est vrai qu'une attention, une meuf, ça ne sert pas qu'à faire ses affaires avec elle, mais est-ce qu'il paraît, bon, je sais pas, on dit ça dans le courant ou je sais pas, que. Bref, on a une femme qui nous ressemble. Quand tu tombes sur une femme, c'est une femme qui te ressemblera. Il n'y a rien de tel qu'avoir une femme qui est comme moi. Alors, ça tue sa mère. Mais par contre, quand tu as une femme qui est pas comme toi, qui n'a pas le même caractère, qui aime pas les mêmes choses que toi, là, ça, c'est pas pareil. Voilà, la cohabitation n'est pas pareille. Voilà. Je suis fier d'être sur YouTube. C'est un exutoire pour moi. Voilà, c'est un exutoire. Voilà, ça me change les idées, tout simplement, d'être sur YouTube, et j'adore ça. Voilà, j'adore être sur YouTube. Vous pouvez pas savoir, mais j'ai remarqué que les réseaux sociaux, c'est de plus en plus jeune. Faites attention, voilà, faites attention, voilà. Moi, j'aurais fait les réseaux sociaux à 18 ans. Moi, je parle publication de vidéos, etc. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des gamins qui peuvent dire des choses. Voilà, par exemple, Benjamin Ledigue ou. Mila, par exemple, des obscénités sur le prophète, etc. Voilà, là, ça se fait pas. Donc, c'est pour ça que, voilà, moi, je pense que la majorité devrait être prescrite pour faire, par exemple, des vidéos YouTube. Voilà. Après, quand tu es majeur, là, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que quand tu es majeur, voilà. C'est notre histoire. Mais quand t'es mineur, voilà. Vous savez, quand on tombe à l'adolescence,
Moi, je pense que l'adolescence, c'est la période la plus forte de la vie. Et après, c'est après que l'être humain commence à s'assagir petit à petit en prenant de l'âge. Voilà. Et voilà. Comme Benjamin le dit, que je sais pas, on n'entend plus parler de lui. Hein. On n'entend plus parler de lui, que ce soit Benjamin le dit ou que ce soit. Bref. Les meufs là, les meufs en foulard, elle dit sur YouTube, je suce des bites, etc. Excusez-moi de dire ça. Voilà, ça c'est pour salir les vrais. Voilà, c'est. On est arrivé dans une époque où il faut faire la sensation, les vidéos à sensation, ça marche beaucoup. Voilà, les vidéos à sensation, les vidéos provocatrices, ça marche du feu de Dieu. Voilà, excusez-moi de dire ça, mais c'est pas un blasphème. Mais bon, je vais commencer maintenant, j'ai assez parlé. Je me suis dit, je vais séparer la vidéo, mais non, je vais tout coller. Comme ça fera une grosse vidéo. Et voilà, je colle tout, moi, voilà. Mais. Les DVD, je n'en achèterai plus. J'en achèterai plus. Et je tiens encore à dire, encore une fois, je le dis, les meufs du cash, du Easy Cash de Rank, des gens de 1, c'est des belles meufs. Voilà. Et de 2, ils sont très très gentils et très sociables et très très gentils avec moi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les meufs de ce cash converteur, voilà, malheureusement, je sais pas, c'est peut-être bizarre à dire, mais je sais pas, je les trouve tous jolis, et je sais pas, excusez-moi de dire ça, je suis amoureux de toutes ces meufs-là. Quand je dis amoureux, je dis. Qui sont tous jolis, quoi. Voilà. C'est vrai que si je devais en choisir une entre toutes, eh ben j'aurais du mal à faire mon choix. Voilà. Parce qu'elles sont toutes gentilles avec moi. Voilà. Et c'est tous des poupées. Excusez-moi. Moi, je parle franchement. Voilà, j'ai 34 ans. Maintenant, je dis les choses franchement. J'ai plus rien à perdre. Voilà. C'est fini. Mais bon, moi, je suis resté 9 ans tout seul. Je suis resté 9 ans tout seul. Je reprends les amis. Je reprends, nous avons un acteur qui nous a quittés. Comme je disais, voilà, je vais bientôt commencer là. Voilà. Lance Reddick. Qui avait joué dans John Wick, l'acteur noir qui fait le réceptionniste dans John Wick est décédé. Maintenant, John Wick 4, je ne sais pas si c'est fait avec lui ou sans lui, je ne sais pas. Mais bon, j'en ai marre de John Wick, j'en ai vraiment marre. Voilà. Je vais commencer par les films que j'ai achetés il y a quelques jours. Alors, 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, j'ai eu 5 euros au cash. Voilà, au cash. Voilà. Comme je vous ai dit, il n'y a que les meufs de ce cash qui me calculent et qui sont gentils avec moi. Il y a un des mecs qui travaillait là-bas qui me disait toujours bonjour. Il y avait des lunettes, maintenant il n'en met plus. Maintenant, il me dit plus bonjour de un, déjà. Et de deux, quand je suis dans le rayon Blu-ray, il me regarde. Il me regarde, je sais pas. Bien avant que tu étais dans ce magasin-là, je venais acheter ici, moi. Voilà, tu n'étais même pas encore là que je venais ici. Moi, je viens là depuis 2020, moi. Voilà. 28 semaines plus tard. De toute façon, ils me connaissent tous maintenant. Ils savent que je suis un habitué. Voilà. 28 semaines plus tard.
Ça y est, j'allais vite. Monos, adolescent, sauvage, amoureux, soldat, révolutionnaire. Monos. Monos. Voilà. Monos. Ça, c'était chez Noz pour 2 euros. Mais ça, c'est dans le cash, la stratégie Under avec Harrison Ford. Ah, encore un truc. Je regardais les anciennes vidéos de Mr. Paradise. Moi, je dis Down Paradise. Down Paradise, c'était un site de téléchargement à l'époque. Ils l'ont fermé. Justement, Mr. Paradise, j'aimais bien ses vidéos à l'époque quand il projetait. J'ai regardé des vidéos de 4 ans. Il se fait montrer et il parle et je trouve que ça fait mieux que des vidéos que tu te fais pas montrer. Voilà, après moi, c'est mon avis. Voilà. Vraiment, j'aimais ces vidéos-là. Ben, j'en ai regardé 2. Voilà, il partait faire les vide-greniers, etc. Voilà, moi, j'ai rien contre. Je regarde encore, je les regarde. Moi, j'aime bien ces anciennes vidéos qui datent de 4 ans. Voilà, il se faisait montrer, etc. J'aimais bien. Voilà. Moi, je trouve que les gens qui font des vidéos à chaud sans se faire montrer, c'est pas la même. C'est pas pareil. Au moins, tu te fais montrer, on te voit et tout. Voilà quoi. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, c'est con en fait de se faire montrer avant et après se plus se faire montrer. Ou sinon, il faut pas se faire montrer dès le début, quoi. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, chacun fait comme il veut. Un film français, voilà, Money. Je connais pas. Il fait un thriller avec Vincent Rothier, qui est vraiment très bon, ce Vincent Rothier. Il est où, ce Vincent Rothier? Il est là. Il a joué beaucoup de films français, ce mec-là. Benoît Magimel, etc. Un film de braquage, trois jeunes sans avenir, gagner beaucoup d'argent en volant une mallette, etc. Bon, ça a l'air d'être bien. Puis 87 minutes, c'est pas beaucoup. Et bon, une jaquette un peu qui me fait penser à Alpha Dog. Ou je sais pas, la jaquette, vraiment, pour un film français, la jaquette, elle est tape à l'œil. Money, je sais pas, ça date de 2017. Point d'interrogation. Le grand jeu. Avec Jessica Chastain, Idriss Elba et Kevin Costner. Je le cherchais depuis des années pour 2 euros. Voilà, Le Grand Jeu. Très très bon film. Je ne l'ai pas vu, c'est l'univers du poker. Je sais pas, c'est peut-être l'arnaque. Peut-être c'est un genre comme Will Smith, là. Diversion. Voilà. Et on va finir par les achats d'aujourd'hui. 3 pour 30 au furet à Cultura. Et voilà, je voulais acheter Top Gun Maverick qui est à 3 pour 30 maintenant. Je voulais l'acheter, il passe déjà sur Canal. Et voilà, j'ai réévalué ce film-là. Top Gun, ça raconte rien de spécial, mais c'est bien pour les séances d'aviation. Je suis parti voir la meuf du cash, du Cultura, une très jolie rouquine. C'est la deuxième fois que je la vois. Je lui fais hey! Elle m'a vu la première fois il y a 2, 3 mois de ça. Hey, ça va? Alors, Top Gun, vous l'avez ou quoi? Top Gun 2, il existe qu'en DVD, il est où? Elle me dit ah ben, je sais pas. Là, en ce moment, on est en rupture de stock, mais on en aura bientôt. Parce que je voulais prendre le 1 et le 2, mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai pris Apollo 13, mais j'en parlais, il fallait que je le voie dans de bonnes conditions. En Blu-ray, ça doit être bien, voilà, ça doit être impeccable. En Blu-ray, j'ai pas trouvé grand-chose, donc bon. Black Light avec Liam Neeson. Black Light, voilà. J'aime pas. Liam Neeson, il me fait chier maintenant parce que il fait toujours les mêmes films. Il a fait dernièrement Malone, là, ou Malo, c'est un agent secret dans les années 30, un détective. On verra ce que ça donne, mais bon, Liam Neeson, vraiment, je sais pas. Je crois que c'est un direct ou DVD, ça, je suis pas sûr, mais bon. Il y en a sorti un avec Guy Pearce.
C'est pas celui-là, hein, je l'avais vu, ben c'est pas celui-là. J'ai oublié c'est lequel, ben c'est, il fait tellement de films que tu te rappelles plus. Voilà, bref, c'est pas grave. Et le troisième film, voilà, c'est bien évidemment, moi j'ai fait l'erreur, j'avais la version Fox, Blu-ray Fox, je l'ai vendu, je l'ai échangé à un mec contre Time Out. Et j'ai su par la suite que le film il était vraiment introuvable. Il était très coté à l'époque parce qu'il n'existait pas cette édition-là. Hein. C'est édité par l'atelier d'image, bien évidemment. Je sais pas pourquoi on chie sur ce film. Moi, pour moi, c'est un plaisir coupable et c'est l'un des meilleurs films de Carpenter. Jack Burton, voilà, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas ce film, moi je l'adore. Je sais pas pourquoi, c'est ça raconte pas grand-chose, mais niveau action, ni c'est bien burné comme film quand même. Je sais pas mettre ce film dans quelle catégorie, peut-être Indiana Jones ou je sais pas. C'est un bon petit film d'aventure quoi, quand même, hein. Vraiment. Vraiment, y a des toiles et des poils qui n'aiment pas Kurt Russell. Et là, en plus, c'est un master de cas. Voilà. Donc, bon, ils auraient pu faire ça en 4K, mais bon, c'est pas grave. Ben, la qualité, elle doit être bonne. On va finir ben, les trois derniers films que j'ai achetés aujourd'hui au Cash Converter de Rank. Voilà. Ça s'appelle China Girl. Voilà. Avec. Réalisé par Abel Ferrara, voilà, réalisé par Abel Ferrara, China Girl, pour 3,99 sous blister, voilà, sous blister, China Girl. J'adore l'univers d'Albert Ferrara, Abel Ferrara, avec King of New York notamment, hein, il fracasse sa mère celui-là. Justement, ils ont restauré le film en 4K parce que j'ai testé mon Blu-ray King of New York sur cette télé. Il est vraiment granuleux. Mais bon, c'est pas grave. Moi, le grain, ça me dérange pas. Mais après, c'est la pixelisation qui me dérange. Mais le grain dans un film, surtout un film des années 80, ça me dérange strictement pas. Je trouve que ça donne du charme au film, le grain. Après, ça dépend. Faut pas que c'est du grain qui se voit beaucoup. Faut que c'est un grain modéré. Voilà. China Girl. Moi, je voulais pas le prendre, mais je l'ai pris. Voilà. Hein. Moi, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je sais pas. Bon. Une histoire d'amour sous fond de mafia. Voilà. Les gens qui ont vu ce film, ben, dites-moi quoi. Le steelbook du dernier Jedi. Voilà. Ben, moi, j'ai quoi? J'ai les 6 Star Wars. J'ai le réveil de la force, j'ai Solo. Si je me trompe pas, j'ai Solo en DVD. Ah ouais, j'ai Solo en DVD. Et maintenant, les derniers Jedi en steelbook. Moi, j'aurais pu foutre les derniers Jedi là. Il n'y a aucun titre. Comment tu veux savoir que c'est les derniers Jedi s'il n'y a pas de titre là, il n'y a rien là. Voilà, c'est sorti en 2018. Je l'ai su comment? Je l'ai su avec le ticket du cash. Il est marqué les derniers Jedi. Voilà. Je l'avais pas. Je l'avais pas, ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Le monde devient fou, le monde est dégueulasse. Ça m'intéresse plus de sortir tous les jours. Ça m'intéresse plus. Voilà. Voilà, les derniers Jedi. Oh, c'est une édition 3 disques. Bordel de merde. Le Blu-ray 3D et le bonus. Ah, putain, je m'attendais pas à ça. Blu-ray bonus, Blu-ray 3D et Blu-ray normal. Bah, pour 4 euros, c'est donné. Il est tout neuf. Bon, ils auraient pu foutre le DVD à la place du Blu-ray 3D peut-être, hein, parce que ça m'intéresse pas, parce que j'ai pas de télé 3D, donc celle-là, elle est bonne. Hein. Oh là là, celle-là, qu'est-ce qu'elle est bonne. Je défoncerai bien le fion, celle-là.
Excusez-moi de dire ça. Hein. Comment ça s'appelle celle-là? Malheureusement, ces trois PO n'est plus doublé par Roger Carrel. Hein, parce que, voilà, le robot, là, c'est Roger Carrel qui le doublait à l'époque. Et voilà, quoi. Bah, Roger Carrel, il a fait 100 ans, hein, quand même. Il est mort à plus de 80 ans. Les années passent si vite. Moi, c'est incroyable. Et pour finir, le dernier film en Blu-ray, je ne connais, je l'ai acheté comme ça par curiosité, puisqu'il est à 2 euros. The Violent Kind. Voilà. Un film d'horreur de Butcher Broder. The Violent King. Kind. En ce moment, je pars beaucoup bouffer à KFC, KFC de Ranck. Bon, ça vaut le coup pour 5,95. T'as une frite, t'as une grande boisson de 40 centilitres, t'as un hamburger. Pour 5,95 seulement. Et il y a une autre formule avec le sundae pour 6,50, je crois. Il y a un mini sundae. Un mini sundae. Avec, j'ai mangé ça la dernière fois, c'était une tuerie. Avec de la Nutella à l'intérieur. Bordel de merde. Tu mélanges la glace avec de la Nutella. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Voilà. Il est mort à l'âge de 60 ans, ce Lance Reddick. Voilà. Paix à son âme. Voilà, le dernier film, The Violent Kind. Et j'en ai fini. Voilà, j'en ai fini. Le vidéoman va quand même durer longtemps. Voilà, j'en ai fini. Merci de m'avoir suivi. A duré longtemps plutôt. Merci de m'avoir suivi et salut à tous. Je suis content d'avoir fait ces derniers achats. 28 semaines plus tard, ça doit être pas mal. Bon, ça, c'est de la merde. C'est de la merde, mais bon, pour 2 euros. J'espère que Time Cop, je veux qu'il sorte en Blu-ray pour Gloria Ruben. Alors, Gloria Ruben, voilà, même quand je l'ai vue dans le film Firestarter, elle m'a vraiment plu. Elle m'a vraiment plu. Elle a 58 ou 59 ans. Elle n'a pas changé physiquement. Mais c'est une vraie diablesse dans Firestarter. Mais quand même, j'aurais pas voulu qu'elle se fait brûler à la fin du film. Vraiment, ça m'a. Voilà, ça m'a. Je voulais pas la voir mourir, quoi. Voilà. China Girl, il va peut-être rester sous blister. Voilà. Apollo 13, je vais me le taper bientôt, là. Je vais rester quelques jours à la maison, histoire de visionner des films, et voilà. Voilà. Tout simplement. Sortir tous les jours, c'est devenu de la merde. Voilà. Merci et salut à tous. Thank you.